tout de suite avec Cespedes qui rejoue avec Clichy, qui a du temps pour centrer. Finalement, il se loupe dans son crochet, mais ça va en direction quand même de Théo Valls. Théo Valls qui centre en retrait. En retrait pour Hummels. Le goal de Schalke. Quelle frappe du gauche de Schalke dans le petit filet opposé à Van Balmos. Mais magnifique travail sur le côté gauche. Et quelle frappe du Néerlandais. La bombe de Breda qui est de retour et qui marque son premier but de la saison. Son deuxième but de la saison. Il avait mis un penalty contre balle. Et ça fait 1-0 pour le Servette FC sur sa première occasion. C'est Ngamalu, Cognac qui fait peut-être faute finalement, c'est pas si mieux pour M. Lard, donc il y a une belle occasion. Belle occasion pour Schalke. Schalke qui se retrouve en situation de 1v1 face à Camara. Schalke qui crochette bien Camara. Il récupère le ballon. Le goal d'Alex Schalke. Quelle frappe du gauche qui tape le poteau et qui va en pleine lucarne opposée. Schalke, il a eu un petit peu de chance sur ce 1 contre 1, mais ensuite, quelle frappe il met qui tape le poteau avant d'aller en lucarne. 2-0 pour le Servette FC. On a vu tout le banc servettien se lever d'un seul homme et aller féliciter Schalke qui met un doublé. C'est fini, la victoire du Servette FC ici à Berne contre les Young Boys. Première défaite des Young Boys cette saison, première défaite dans leur stade cette saison. Magnifique victoire des Servettiens 2-1. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose toujours trop souvent de faire en tout cas un tour d'horizon performances ou des prestations de nos joueurs internationaux congolais, en tout cas ou ceux qui sont susceptibles de le devenir. La République démocratique du Congo qui doit être derrière beaucoup de joueurs, l'exemple de Silas Wamangituka qui fait une saison extraordinaire du côté de la Bundesliga avec son club de Stuttgart. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de deux gardiens souvent appelés en équipe nationale. L'un est d'ailleurs actuellement titulaire indiscutable au sein des Léopards de la République démocratique du Congo. Il a d'ailleurs fait partie de cette double confrontation qui opposait la République démocratique du Congo à l'Angola dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires CAN Total Cameroun 2021, mais renvoyé en 2002 pour la raison que vous connaissez, la fameuse pandémie à Covid-19. Les deux gardiens donc, il s'agit de Joël Kiasumbwa et de Timothy Fayulu qui ont deux points communs en tout cas. D'abord, c'est d'évoluer les deux en championnat suisse, mais deuxième point commun, c'est que ces deux gardiens depuis le début de la saison ne sont pas titulaires dans leur club. Et troisième point commun, ils ont été titularisés pour cette journée, en tout cas 11e journée en Super League de la Suisse. Les Young Boys de Berne rencontraient en tout cas Servette de Genève, club de Joël Kiasumbwa. Elia Meshak bien entendu était titulaire pour ce match, et même si il est sorti à la 75e minute de jeu, Joël Kiasumbwa a lui joué tout la rencontre pour la première fois de la saison. Il faut noter aussi que Young Boys est premier en championnat avec 6 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite, 14 points et 14 buts marqués, et 7 buts
buts encaissés. Pour Servette de Genève, l'équipe de Joël Kasumwa, ce club est plutôt sixième en championnat suisse de première division avec 4 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites avec 10 buts encaissés, 12 encaissés, goal différence moins 2. Joël Kasumwa qui n'avait pas encore goûté sur une titularisation avec son club cette saison, s'est vu en tout cas être titularisé. Ils sont allés créer la sensation sur le terrain du leader de ce championnat à Berne contre Young Boys de Elia Meshak. Victoire 1 but contre 2. La rencontre qui opposait les deux équipes avec un représentant congolais dans les deux camps, le portier des Léopards, Joël Kasumwa, qui était titulaire pour la première fois depuis le début de la saison, a encaissé un but, mais a réalisé en tout cas 5 arrêts décisifs, sauvant en tout cas son équipe d'un déluge. Signalons également que le buteur du côté des Young Boys est également originaire de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Félix Mambimbi. Donc, un match qui opposait en tout cas des Congolais entre eux. Elia Meshak, un attaquant également qui aurait pu espérer aussi marquer contre son gardien titulaire en équipe nationale, n'a pas pu violer les cages gardées par Joël Kasumwa. Mais Félix Mambimbi l'a fait, a marqué en tout cas l'unique but des Young Boys. Je signale encore le résultat. 1 but contre 2 à l'avantage de Servette de Genève. Félicitations à Joël Kasumwa et à son club, Servette de Genève, qui se sont imposés à Berne. Joël Kasumwa qui a retrouvé en tout cas les perches grâce aussi à cette victoire 1 but contre 2. Nous espérons que ça va bien évidemment lui ajouter en tout cas quelques cotes auprès de son entraîneur. Il faut dire que Servette de Genève, je l'ai dit, avec ce goal différence moins 2, a certainement un problème au niveau de sa défense, au niveau de ses perches, et ça peut donner des idées à l'entraîneur de ce club pour pouvoir peut-être titulariser Joël Kasumwa. Il a des arrêts extraordinaires, je l'ai vu aussi contre l'Angola. Il a sorti des arrêts venus d'un autre monde pour sauver la République démocratique du Congo, en tout cas d'une égalisation lorsque nous jouions en tout cas le match de la 4e journée à Luanda, match remporté par la RDC grâce à un but extraordinaire de Niskens Kebano. Alors, Joël Kasumwa, on en parle également sur le site officiel de son club, Servette, servettefc.ch, le site officiel de Joël Kasumwa, qui dit exactement ceci. Je vais vous lire ces quelques phrases qu'on peut retrouver en tout cas sur la page du site de Servette de Genève, le club de Joël Kasumwa. Alors, sacrée performance cet après-midi à Berne et on fait tomber les triple champion de Suisse. Pourtant, les 20 premières minutes de la rencontre ne laissaient pas présager en tout cas une telle issue. Pressés et acculés dans leurs 30 derniers mètres, les Servétiens sont passés plusieurs fois près de la correctionnelle et auraient pu encaisser l'ouverture du score sur 2-3 actions chaudes. Le Servette FC a pu compter dans ces moments-là, sur un Kasumwa phénoménal. Le portier genevois a par deux fois sorti des parades de grande classe pour laisser son équipe dans la course. Le poteau a également sauvé cette équipe de Joël Kasumwa. Comme qui dirait, il faut aussi avoir la chance. Lorsqu'on garde le poteau d'un club, il faut également aussi avoir de la chance pour finalement avoir le résultat. Donc voilà ce que a déclaré en tout cas le site du club de Joël Kasumwa, qui a carrément qualifié les parades de Joël Kasumwa de parades extraordinaires. Kasumwa était phénoménal et a sauvé en tout cas son équipe. Et j'ai vu quelques extraits en tout cas de cette rencontre. On peut dire que Joël Kasumwa sortit en tout cas des arrêts de classe, dignes des grands rendez-vous. Et félicitations à lui, et ça ne nous étonne pas. Ce gardien qui n'a
toujours pas été en tout cas celui dont le sélectionneur national de la République démocratique du Congo pouvait faire pleinement confiance hein, depuis Jean-Florent Ibenge Kwange. C'est seulement avec l'avènement de, on va dire, de Christian Tengibembe qui apparemment lui fait pleinement confiance hein, qu'on sent que Joël Kasumba petit à petit prend ses marques au sein de cette équipe nationale. Il faut également noter qu'il fait partie de ce groupe depuis très très longtemps. C'est un groupe qu'il connaît aussi très bien. Je pense que petit à petit, même les Congolais commencent à avoir confiance en lui. Vous savez, il y a quelque chose qui se raconte ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, que les gardiens venant de la diaspora, et plus particulièrement d'Europe, n'ont jamais été forts pour garder les perches de la République démocratique du Congo. Il faut toujours recourir à des gardiens sur le plan local. Mais Joël Kasumba, en tout cas, contredit hein, toutes ses pensées négatives, hein, puisque on le voit à chaque fois, à chaque moment, qu'on lui fait confiance et qu'on lui donne les cages de son club Servette ou même des Léopards, il travaille avec abnégation. En tout cas, il ne manque pas en tout cas de nous sauver et d'aider son club ou son pays. Tant mieux pour nous, nous avons besoin d'un Joël Kasumba au mieux de sa forme hein, pour nous permettre en tout cas de réaliser les objectifs qui sont les nôtres, hein, notamment d'abord se qualifier pour cette CAN Total Cameroun 2022 qui pointe déjà à l'horizon. Il nous reste que deux journées avant la qualification, une cinquième journée difficile hein, au Gabon pour défier les Panthères du Gabon avec un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Ensuite, ce sera la finale ici en République démocratique du Congo, probablement à Kinshasa où nous allons recevoir la Gambie. À noter aussi que la belle performance de Joël Kasumba a été récompensée, hein, puisqu'il fait partie en tout cas de l'équipe type de la semaine. Hein, lui qui venait à peine d'être titularisé hein, pour la première fois cette saison, Joël Kasumba en tout cas fait partie du team de la semaine en Suisse, en occupant en tout cas les perches hein, de cette équipe de la semaine. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose hein, pour lui. Je pense que son moral en tout cas va être régaillardi après cela et j'imagine que son entraîneur pourra en tout cas avoir des idées de le titulariser lors du prochain match parce que cette récompense hein, en tout cas signifie que sa prestation n'aura pas laissé indifférent également l'organisation hein, de ce championnat à Suisse. Voilà. Et on ne parle pas que de Joël Kasumba, on parle d'un autre gardien de but, hein, d'origine congolaise évidemment, un jeune gardien de 21 ans, il s'agit bien de Timothy Fayulu. Attention, je ne parle pas de Martin Fayulu, l'homme de la vérité des urnes ici, hein, nous parlons bien de Timothy Fayulu et de son club Sion, nous sommes toujours en Suisse. Alors Timothy Fayulu s'est également illustré, hein, lui qui a été aussi titularisé pour la première fois cette saison avec son club de Sion. Le jeune Congolais a rendu en tout cas une très belle copie hein, face à Lucerne. S'il n'a pu empêcher la défaite des siens 1-2, il a réalisé 5 arrêts décisifs hein, permettant ainsi aux Valaisans en tout cas de rester dans le match avant de craquer pratiquement à 6 minutes hein, du terme, à 6 minutes de la fin du match dans le temps régulier hein. Et malgré cette issue défavorable collectivement, le gardien de 21 ans a marqué des points en tout cas auprès de son entraîneur hein, Fabio Grosso. Espérons que l'ancien international italien le reconduise hein, au prochain match. C'est aussi en tout cas notre souhait, notre vœu le plus ardent hein, de voir ce jeune gardien aussi hein, prendre vraiment ses marques et surtout qu'il est souvent aussi sélectionné ici en équipe nationale. Nous espérons en tout cas qu'il aura encore la confiance de son entraîneur pour être une fois de plus titularisé malgré cette défaite à domicile hein, et peut-être qu'il sera encore titularisé puisqu'il a eu quand même à éviter un déluge hein, contre Lucerne. Voilà ce dont nous avons voulu vous proposer un hein, regard en tout cas sur ces deux gardiens congolais, l'un titulaire en hein, République démocratique du Congo, il s'agit bien de Joël Kasumba et nous les suivons en tout cas, nous espérons que pour le prochain match Joël Kasumba sera encore dans les
perche hein, de son club Servette Genève hein, et de même pour Timothy Fayoulou avec Sion. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez, vous le savez aussi, hein, exprimer votre point de vue ou votre opinion en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous également à votre chaîne TMTV. Cliquez aussi à cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet hein, d'actualité. En attendant, portez-vous bien et TMTV vous dit au revoir.